Salut à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce qu'on fête les 247 000 abonnés sur notre chaîne. Et donc pour ça on vous a prévu une vidéo tour du monde, voilà, on va aller à votre rencontre. Donc on va aller en Australie, en Argentine, au Japon, au Sénégal, en Égypte, en Norvège. Ça va, tu peux te voir déjà? Ouais, ça marche, ouais. T'es pas obligé de filmer ça. Sans la valise, ouais. On va pas faire du tour du monde. Pourquoi? Parce qu'on a pas les moyens, t'as pas eu le dernier mail? Non. On a dit qu'on faisait un petit road trip en France à la cool. Là j'ai loué une bagnole, on va y aller tous les deux. Puis pourquoi t'as pris une équipe? On n'a pas les moyens de les payer. Ouais, non mais ça t'inquiète pas, en plus on n'a pas parlé tarifs, donc pour l'instant ils sont pas au courant. Je me suis dit, on monte la vidéo, si jamais c'est trop cher, on arrête de répondre et puis basta. Ce matin je suis arrivé, je leur ai mis des petits croissants, je les aimais bien, t'inquiète. Attends, juste, t'entendre là? Deux. T'as un micro? Tu vas où mec? Ah, vas-y, c'est bon. Mathias, il reste des croissants si tu veux. C'était... Non mais c'était une blague, on faisait parce que c'est... Enfin, on paye pas... Bien sûr qu'on paye les équipes, attends, tu crois quoi? Il est parti où Mathias là? Non, vous inquiétez pas, c'est... Il se sentait un peu barbouillé, il a préféré... Parce que sa tante habite pas loin. Ouais. Du coup, on y va. Il est à quelle heure l'avion les gars? Ouais, justement, on va prendre la voiture, mais... petit changement de programme. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans l'aventure, c'est les petits... Enfin, les choses différentes quoi. Salut à tous. Alors finalement, petit changement de programme, on ne fait pas de tour du monde. Non, mais on fait un tour de France, voilà, parce que c'est plus pratique en termes de logistique. Mais bref, ça va être cool. Et ça c'est beau. Donc là, on va dans le sud. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux, voilà, si vous êtes par là. Parce que si vous nous envoyez un message et que vous nous dites où vous êtes, et ben on s'arrêtera et on passera un petit moment un peu sympa et on va rire. Et ça, c'est cool. Voilà, on a hâte de vous voir. On est hyper contents. Et on vous dit à très vite. Tu préfères quoi? Toute ta vie en slip? Ou écouter du R&B allemand? Je sais pas, du slip. Oh, tu veux pas arrêter de te gratter là? Ouais, c'est à cause des vaccins. Quoi, quel vaccin? Je pensais qu'on faisait un tour du monde, mais j'ai fait les 17 d'un coup. T'as fait 17 vaccins? Oui. Non mais ça va, c'est juste que ça réagit un peu et que ça me démange. Putain, je suis dégoûté quoi. Personne qui répond. Là, j'ai l'impression qu'ils voient pas notre story quoi. Bon, au pire, tu sais quoi? Tu sais ce qu'on va faire? On va faire des petites images un peu sympas. J'ai vu vers les toilettes, on pourrait faire des trucs un peu marrants, ou là, vers l'air de jeu, là. Mm-hmm. Et toi, QT, je sais pas, t'escalades le truc, tu ouais. Vois, faut que ça soit drôle, quoi. Non, j'aime pas. Non, mais j'aime pas, ça. Non, mais après, je propose, on est pas obligé de faire des trucs vers le toboggan, mais... Mais non, mais regarde ça, dans la cuisine, là, ils veulent mettre, je sais pas, une sorte de crédence en lambris. Enfin, c'est horrible. C'est quoi le rapport? Bah, tu sais, c'est ma surprise pour Gladys. Je t'ai pas dit? Non. Ça, c'est ma maison. Enfin, c'est ma maison. C'est notre maison, hein. À Gladys et moi. T'as acheté une baraque? Ouais, ça y est. C'est à Belleville-le-Comte. Regarde ça. 850 mètres carrés de terrain, t'as 400 mètres carrés habitable. Et là, derrière, là, tu vois, sur le fond du terrain, t'as une petite rivière comme ça qui passe. Ça a l'air loin, hein? Non, je suis à 2 heures de Paris. Hein. Enfin, quand ça roule bien, ouais. Pourquoi t'es allé là-bas? Mais non, mais si tu veux, je passe tout le temps par là-bas quand je vais chez mes grands-parents. Et un soir, je rentrais, et je suis tombé en panne, là, juste à côté de la maison. Et je sais pas pourquoi. Il faisait tout noir, tu vois, c'était pleine nuit. J'ai eu un flash. Ça devait être un radar, non? Non, mais je te parle sérieusement, là. J'ai vraiment ressenti un truc hyper fort. Le terrain me disait, il faut que t'habites ici. C'est chez toi. Quentin, c'est pour tout le monde pareil, hein. Dans le noir, on peut vivre n'importe où. Moi, je vais vivre à Clermont-Ferrand. Le lendemain matin, je vois autre chose, tu vois. Non, mais tu comprends pas. Et elle est au courant de rien, Gladys. Ah non, c'est le principe de la surprise. En fait, bon là, on finit le truc, la vidéo, et après, je lui ai dit que je l'amenais en week-end. Tu vois, un petit week-end en amoureux, on se fait un petit spa à la cool. Et en fait... Quoi? Bah, je... La... Mène... À la maison. Tiens, regarde. Mais tu sais, c'est un projet normalement qu'on fait à deux, ça. Ouais, mon amour. J'arrive. Ouais, ça va. Bah écoute, oui, ça se passe. Ça se passe bien. Non, je suis heureux, c'est tout. Quentin, on a eu un message. Tiens, Eric. Attends. De Bourges. De quoi? Eric, de Bourges. Il est chaud. Chaud. Regarde. On y va, là. Ouais. Vas-y. Ouais, on y va, les gars. Attends, je te rappelle tout à l'heure, ok? Je te fais des gros bisous. Putain, yes. Allez, ça. Sûr que c'est là. Bah, il m'a
donné rendez-vous ici. Donc, je pense, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est qui, ça? C'est lui? Non, non, c'est pas lui. Avance, avance, avance. Tu veux pas qu'on sorte? C'est un peu bizarre, franchement. Ouais, mais je sais pas, il a pas du tout une tête à s'appeler Eric, lui. Ouais, ouais. Salut! Hey, salut! Chanté à Marie. Eric! Salut Quentin! Ah, je suis trop content de vous voir, je suis fan de vous, c'est trop top que vous puissiez venir. C'est cool, Eric. Hey, venez, venez, j'habite juste à côté, vous pouvez entrer et boire un verre. C'est sympa ici, hein? Ouais, merci, c'est pas la mienne de maison, mais c'est celle de mes parents. Ouais, elle est vraiment cool, hein? Elle est cool, sa baraque. Ouais, elle a pas l'air dingue non plus, mais. Ah ouais, mais attends, mais Eric, c'est magnifique! Oh les gars, vous avez vu la vue? Non mais regardez-moi ça! Oui, enfin, c'est pas. C'est magnifique, franchement, Eric, c'est splendide, quoi. Ça m'étonnerait que ce soit exposé plein sud ici. Ah si, si, il y a le soleil tout le temps. Regarde-moi ça. Il n'y a même pas de retardateur de diffraction. C'est moi qui me barre. C'est moi qui me quitte. Voilà. Et puis, pour une fois, assume. T'as qu'à lui dire la vérité à ton gamin. On verra la gueule qu'il fera quand il apprendra qu'on n'est pas ses vrais parents. Je te vomis, Fabrice. Bonsoir. Hey, salut les jeunes. Ça va, mon chat? Ça va, ça va? Ça va les copains? Ça va? Voilà, vous venez pour le gigot? Non, non. Pas... Mais si, bougez pas, bougez pas. Chérie, il y en a encore pour ça. Ta gueule, connard! Ouais, ouais, on va y aller. Du coup, salut Eric. C'était cool de t'avoir rencontré. En tout cas, vous avez une belle, belle baraque. Hein. Ouais, on espère juste que vous allez la garder, quoi. Ouais, au revoir. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, ce vlog. Mais si, c'est super! On rencontre les gens, c'est sympa, moi je trouve c'est cool, on les voit jamais. Oh j'en ai un. Quoi? Tu préfères avoir des parents tout naze, ouais. Mais c'est tes vrais parents. Ouais. Ou des parents chamés, mais t'apprends à 30 ans, comme Eric, que c'est pas tes vrais parents. Franchement les deux c'est chaud. Tu sais avec Gladys, c'est vraiment sérieux quoi. Là on va emménager ensemble à Belleville. Je pense qu'on va vite prendre nos marques et puis on va avoir envie de plus, d'enfants, de famille. Mais doucement, ça fait 6 mois que t'es avec elle, y a pas de soucis. Laisse le temps faire les choses et ça va aller, tu te mets trop de pression. Non, pour l'instant, on fait comme prévu. Ouais. On continue nos vidéos et puis c'est cool. Bon, y a quand même un truc qui me dérange. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'aurais quand même pu prendre des lits séparés. Écoute, il restait plus de champ, il restait que celle-là et en plus elle est avec une salle de bain. C'est pas top ça? Non. Pas pour nous, je dis ça, mais c'est pour Romain. Ah oui. Ah. Là, j'avoue. Hein. Bon, bonne nuit, les gars. Bon, bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Les gars. Quoi? Hein? Je suis désolé, mais vous avez pris une pommade. Parce que là, ça commence vraiment à gratter. Non, non. Bah, par contre, Romain, tu veux pas éteindre la caméra parce que c'est bizarre là, non? Ouais, c'est bon. C'est ouais, bonne nuit. Ça tourne, mais pardon. Yo, tout le monde, putain, je vais peut-être pas faire ça. Salut tout le monde, deuxième jour du vlog, on est toujours là, on attend vos messages, hein. Qu'est-ce que tu foutais? Il est 10h30 déjà. Oh, le soulagement. Quoi? Il y avait pas de pommade, mais j'ai trouvé ça. C'est une folie. Attends, tu t'es tartiné le bras avec du beurre? Non, c'est du beurre doux. C'est un super antiseptique, tiens. Non, il m'en reste, si tu veux, pour tes tartines. Ah, c'est bon. Ah, comme ça fait du bien. On se fait une story? Ouais, du coup, juste... Attends, je me disais un truc. Quoi? On a reçu un message. Tu vas? J'en ai à Lyon. Ah ouais, d'accord, on a un fan club à Lyon. Bon, on y va. Amaury. Ah. Salut, Quentin. Ah merde, je croyais que c'était l'inverse. Non, mais je rigole. Ah. Vous venez, on rentre, on est à l'intérieur. On a une caméra, ça dérange pas? Non, bah non, on ramenait tout le monde. Super. Ils ont l'air cool. On pensait faire une petite FAQ, ça vous va? Ouais. Salut. Salut. FAQ comme Amaury et Quentin. Allez. Pas comme foire aux questions, mais comme foire à Amaury et Quentin. Ouais. C'est bien vu. Ouais, ça me vient comme ça. Non, mais ouais. Vous aimez bien les jeux de mots, vous? Oui. Ben... C'est un peu ouais. Ah, Michel. Non, chantez, Michel. Le vrai lui. Jeu de mots. Je pense qu'il y a un truc un peu chelou. Je sais pas si ça se voit.
Ouais. C'est bizarre. Non, mais en fait, c'est, j'ai une petite montée de chaud. Enfin, je sais pas si... Non, mais ça va peut-être tenir. C'est... Salut. Salut. Ça va? Ah, c'est du... Ah, d'accord, c'est du guacamole. Bah oui, par rapport à notre sketch. Ah oui, c'est malin. Oui, je vais... Attends. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a... je vais le manger. C'est toi qui l'as fait? Hein? Tu l'as... C'est toi qui l'as cuisiné? Attends, elle a un problème, là. Excusez-moi. Il y a un souci avec cette jeune fille là, parce que c'est bizarre là, elle a bugué. Hello. Elle comprend plus. Ouais, elle est partie là. Ouais. Non, bah, c'est normal. C'est Hello. Elle fait partie du fan club. Elle est super émotive et puis de vous voir là, ça tient pas le coup quoi. Elle tient pas la route. Hello. Ouais, ouais, elle... Non mais elle reviendra. Hein. Okay. C'est-à-dire qu'Hello, faut la voir hein. Quand elle regarde vos vidéos, elle arrive pas à aller au bout. Ah oui. Tu vois. Bah, on est tous super contents de vous voir. Vous en avez fait beaucoup, vous, des vidéos sur votre chaîne? Bah, ouais. Ok. Merci beaucoup. Je te remets là, du coup. Tiens, ça aussi. Vas-y, viens là, c'est l'angoisse. Ok, bah on peut commencer. Hein. Donc, si vous avez des questions, pas trop intimes, hein, si possible. Je suis vraiment pas bien. Est-ce que t'es célibataire? Alors, justement, je disais pas trop intime, mais. Non, pour le coup, non, je suis en couple et je suis très, très amoureux. Ouais. D'autres questions? Sinon, vous mettez en moyenne combien de temps à peu près pour réaliser une vidéo? Le temps d'écrire, ça nous prend, je sais pas, je dirais 3-4 jours. Ensuite, on a un ou deux jours de tournage et puis une petite semaine de post-production, quoi. Qui de vous deux trouve les idées de toutes ces vidéos? Bon, ça dépend. Parfois, c'est Gladys. Attends, mais c'est qui ce con, hein? Non. Mais attends, mais tu te demandes qu'elle Gladys ou quoi? Y'a rien, enfin c'est pas contre. En fait, j'allais te faire une surprise. J'étais retapé une baraque à Belleville-le-Comte pour nous deux. Amaury, moi j'avais une question. Ça fait quoi de travailler en duo? Je suis désolé, je me sens pas très très bien. Mais attends, mais casse-toi toi, qu'est-ce que tu fais? Mais y'a quoi? J'avais mis une petite crémence rouge dans la cuisine. Faut peut-être mettre en PLS, non? Ouais, mais là c'est ça. C'est que tu me fais hyper du mal. Ouais, c'est sûr. Je suis... Ça c'est PLS, c'est un coup. Ouais. Ça va mieux? Ouais, c'est... Je pense que c'est le guacamole, là, mais... Pas passé, hein. Super, merci Michel, parce que sinon... Ouais, c'est pas tellement le guacamole, hein. C'est 17 vaccins que t'as mis dans la gueule, aussi, hein. Ah, vous êtes médecin? Bon, je suis véto, mais c'est pareil. Mais attendez, vous m'avez fait quoi, là? Bah, je t'ai mis une dose de cheval, là. Je vais te dire, dans un quart d'heure, ça allait beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est un peu tilté, pépère. Bon, je peux lui mettre une dose aussi. Hein. Non, on va se calmer, hein, sur les doses. Les gars, j'ai une patate! Je sais pas ce qui peut se passer ce soir, mais à mon avis, ça va être un truc de dingue. Hé, hein. Hey, Lyon! T'es pas prêt? Ouais, tu peux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Non, parce que je suis content. Eh, hey, t'inquiète pas, ma puce. Ce soir, je vais pas te laisser en galère. Papa Amo va te faire passer une soirée. T'es pas prêt d'oublier. On va faire la chouille! On va rien faire du tout, moi je vais à l'hôtel et demain je rentre. Oh, fais pas ton relou là! Attends, qu'est-ce que tu fais là? Eh, je connais une boîte de night qu'on voit de la berlinoise, ça va envoyer sévère, je te le dis! Tu voulais pas survoler moi ce soir, je rentre à l'hôtel. Oh, allez là! Il a dit boîte de night, ça va être un bon délire! T'es sérieux là? Tu vas vraiment filmer ça? Ils sont en train de taper une chenille à l'intérieur, c'est ouf! Tu veux pas aller boire un verre? Je suis désolé, hein, pour tout à l'heure. J'imagine que ça doit pas être simple, mais... Bon, tu sais, ça fait 6 mois que tu la connaissais, quoi, cette fille. Et toi, tu lui as construit une baraque sans rien lui dire. C'est chaud, quand même. Le coup de la baraque, franchement, t'as fait fort, parce que... Bon, en 10 piges, tu peux construire quoi? Une étagère? Et en plus, il manquait des tablettes, moi. Regarde! Oh! Tu fais ou quoi, là? Il y a une digue de ouf, là! C'est un délire! Je suis à bloc! Tu préfères quoi? Avoir un petit chagrin d'amour et dans 2 mois c'est terminé? Ou vivre avec ce type là? Mec, il est chelou. Les guacamole. Tu sais, à chaque fois que tu la regardes, elle te fait. Oh! J'ai commandé, moi, vous voulez quoi? Il est incroyable ce mec. Chaque fois qu'il te pose une question, il attend jamais la réponse. Ouais, t'as raison, ça va me faire du bien. Eh bien, on va se boire un verre. Tu vas voir, il y a le sosie de Jean-Luc Fleischmann à l'intérieur, il est extraordinaire.
Amaury, réveille-toi, je crois qu'on s'est planté de chambre. Non, non, mais sérieux, là, je sais pas où on est, là. Vas-y, sérieux, réveille-toi, gros. Attends deux secondes, je suis en train de... Attends, même le parking, il a changé, là. Ah, putain. Amaury, je crois qu'on a fait... Ah, non, mais j'espère qu'on a pas fait une connerie. Putain, laisse-moi, quoi. Hein? J'ai travaillé, Piquette? Michel? Hein? Putain, mais Michel, qu'est-ce qu'on fout, là? Ah, Michel, t'es là? On est où, là? À Clermont, là. Quoi? Clermont-Ferrand, ouais. On est à Clermont? Comment ça, à Clermont-Ferrand? C'est quoi, le bordel? Ouais, tu veux une truffade? La truffade, c'est à Clermont. Ah, excellent. Attendez, les gars, on a fait comment pour venir ici? Bah, on a mis en stop. Ah ouais? Avec le mec là, super sympa, comment il s'appelait? Frou. Ah oui, avec la doudoune. Frou. On s'en fout, non? On va peut-être pas faire tous les sons. Et puis il est où notre cadreur? Tu sais, Romain, il est où? Bah, Romain, il est pas là. Bah, il est resté à Lyon, hein. Ouais, alors, faut que j'y retourne parce que j'ai un border colis sur le bloc là. Tu fais quoi aujourd'hui? Salut à tous! Alors, petit update, là on vient de se réveiller pas du tout dans le bon hôtel. Il se trouve qu'on est à l'hôtel F1 de Clermont. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de vous dire. Et là, je suis accompagné de Mister Sourire. Comment il va? Est-ce qu'il est en forme? Tu veux pas arrêter, s'il te plaît? Ah, c'est des images pour nous, ça. C'est hyper bon, ça. Non, mais y a pas d'images pour nous, y a plus rien. Très très bon délire. Non, mais Amaury, tu m'écoutes pas? Quoi? Il n'y a plus d'idées, là. Il n'y a plus de thunes, il n'y a plus d'affaires, on n'a plus de bagnole, enfin, on a plus rien. Oui, c'est bon, ça marche. J'ai plus de malin. Bon, écoute, on en a parlé hier, c'est rien, elle va revenir, ouais, c'est pas grave. Ça. On n'a même pas 250 000 abonnés, enfin. C'est pathétique tout ça. Putain. Oh. Voilà, arrête de taper là, ça sert à rien. Ouais. On va trouver une solution. Et puis attends, moi je me démerde. On je trouve des temps, idées. On est là, à faire quoi? Des vlogs? Sérieux, c'est ça que tu veux? C'est ça qu'on est? Je trouve ça marrant. Ouais, super marrant. T'es complètement irresponsable, mec. Tu nous fais faire quoi hier? Tu nous fais faire du stop, là, entre Lyon et Clermont? Avec deux mecs qu'on connaît à peine? Attends. C'est moi l'irresponsable? Déjà hier, t'étais avec moi. Ouais. Je t'ai pas forcé, non, mais on est d'accord. C'était toi qui étais à fond, là. Et puis c'est moi le mec qui avait construit une baraque dans un trou paumé que personne ne connaît, avec une nana avec qui je suis depuis 6 mois. Je n'ai rien à voir. C'est qui l'irresponsable? Rien à voir. J'en ai rien à foutre. Mais c'est quoi, t'as raison? Non, mais si, t'as raison, en fait. C'est quoi, je suis responsable? Ouais, mais tu regardes là bien ta caméra. Ouais, regarde bien. Elle avait raison, il a dit ça. Elle avait raison de dire que t'étais complètement malade. Attends, regarde bien. Ouais, non, regarde bien. Excusez-moi, attends, tu peux. Ouais. Vous êtes Amaury et Quentin? Oui. Bah, excusez-moi de vous déranger. J'ai une pote qui est en galère et je me demandais si vous pouviez l'aider. Se faire planter par son actrice, c'est chaud, hein. Ouais. Après, on va peut-être trouver une solution, hein. Non, mais c'est foutu, ça sert à rien. Pourquoi? Si je rends pas mon film ce soir, j'ai 0 et c'est éliminatoire pour le concours. Ah. Ouais, tu sais, dans ces moments-là, il faut pas perdre espoir. Delphine, hein, elle est plus au lit, elle pourra vraiment pas venir. Bon, bah là, oui, c'est sûr que c'est... On peut peut-être la remplacer, non? Mais non, c'est justement le sujet du film. C'est un film muet sur une fille qui peut pas s'exprimer parce qu'on lui donne pas la parole. Ah ouais, c'est puissant, ça. Ouais, mais c'est surtout mort, là, en fait. L'an prochain, j'aurai 26 ans. Je pourrais plus passer. Delphine, c'était une meuf géniale, elle arrive à exprimer plein de trucs sans rien dire. Attends, mais je sais, mais on a la solution. Quoi? Non, t'inquiète, je sais qui on va appeler. Mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est à la fois beau et flippant, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, grave, ça. C'est super, Elodie. C'est super. Il faut pas trop que je lui parle. Coupé, c'était parfait. Ah ouais. C'est coupé, hein. Ouais. C'est faux. Non, là, il faut arrêter. Je crois qu'elle a bugué. Ouais, non, mais attends, je vais la ramener parce que... Non, mais la touche pas, ah, oui, parce que ça va être pire. Équilibre entre le travail, la famille, les amis. Jean-Guy, pensez pas que votre traumatisme il provient de l'adolescence, plutôt? Maintenant que vous le dites, c'est vrai que j'ai eu une adolescence un peu compliquée. Hein.
Ma mère a toujours été très présente, enfin je vous l'ai dit, je sais pas si elle était trop présente, elle était toujours là, elle m'aime aujourd'hui encore, j'ai l'impression de voir ma mère un peu partout, enfin comme si elle m'accompagnait, quoi. Elle m'apportait mon goûter à l'école, même jusqu'en terminale, bon, si quand même elle apporte le goûter au travail, ça c'est toujours un peu gênant. Mais c'est ça la solution, vous avez raison, faut que j'arrête de penser à ma mère. Oh merci docteur, ça fait du bien de parler avec vous. C'est normal, Jean-Guy, hein.